Et ça roule, et ça roule, et ça roule. Si vous êtes là, bonjour. Je vais attendre que Facebook me confirme. Vous êtes en direct. Et voilà. Ben, bonjour, comment ça va? Ici, c'est Chantal Beau. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de communication. Comment est-ce qu'on fait pour se faire comprendre? Comment est-ce qu'on fait pour bien parler? Et j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Parce que demain, on reçoit Ghislain Lévesque, qui est notre communicateur spécialiste de la communication bienveillante dans le 7e ciel. C'est un outil indispensable, je vous dirais, parce que sa façon de l'aborder est tellement simple, facile. On se décharge. T'sais, on a souvent l'impression de porter un gros panier pesant sur le dos, là, puis quand on arrive pour dire quelque chose à quelqu'un, c'est comme. T'sais, le souffle manque. Le nombre de fois que j'ai vu, que j'ai senti même moi-même, t'sais, de ne pas avoir le courage de me dire, de me prononcer, de dire les vraies choses, comment je me sentais vraiment face à une situation. Fait que voyons un peu, essayons de démêler un peu ça. Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Puis quelle importance d'apprendre à vraiment savoir bien communiquer pour se faire comprendre? Puis il y a des prises de conscience à faire en arrière de ça aussi parce que ça. La façon qu'on parle, c'est, ça reflète nos blessures. Hier, on a parlé de blessures, mais tout ça découle de nos blessures. Donc, la façon que je vais parler, que je vais agir, que je vais réagir, dépend de mes blessures. J'aimerais ça qu'on y jette un petit coup d'œil aujourd'hui, vite, vite, vite. Quand je souffre de trahison, la façon que je vais m'exprimer va ressembler davantage à ça. Je vais avoir tendance à poser beaucoup de questions. À être dans l'insécurité. Parce que c'est sûr que la trahison, je me sens trahie, donc j'ai de la difficulté à faire confiance. Je vais être beaucoup plus dans le contrôle, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Fait, OK, tu étais où? Tu faisais quoi? Ouais, puis qu'est-ce qu'elle a dit? Ah ouais, puis on a tendance à vouloir vérifier, à me poser beaucoup de questions, et c'est presque un interrogatoire. T'sais. Fait, ça met l'autre dans une position de comme je suis coupable de quoi? Pourquoi est-ce que j'ai un procès? Et je n'ai pas envie de me justifier. Pourquoi j'aurais besoin de me justifier? T'sais, fait que ça nous met dans une confrontation qui ne nourrit pas la relation qu'on veut obtenir. Parce qu'en fait, c'est quoi le vrai besoin? Le vrai besoin, c'est que j'ai besoin d'être sécurisée. Ben, plutôt que de passer à travers toute cette liste de questionnements, c'est de s'arrêter et de dire, ah oh là, je vois là, que j'ai envie de te questionner, de te poser plein de questions. En fait, ce que je sens, c'est que j'aurais vraiment besoin d'être sécurisée. Comment tu pourrais me sécuriser? Ou l'autre peut poser la question, comment je peux te sécuriser? Ben, j'ai besoin de savoir que je suis importante pour toi. J'ai besoin de savoir que qu'est-ce qui te sécuriserait? Voilà. Et ça désamorce tout. Ça ouvre le cœur. Ça ouvre la conversation. Du moins, si vous êtes avec une personne, who cares? Si vous êtes avec une personne qui. Pour qui votre bonheur et votre bien-être est important. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites là? C'est toujours la bonne question. Ensuite, si on est déclenché dans la blessure de rejet, puis tu sais, des fois, ça s'entremêle tout ça. Puis, si on est déclenché dans la blessure de rejet, bien là, on est porté plus à fuir. Fait que ça veut dire qu'à place de partir dans une confrontation, à place de poser plein de questions, si je suis déclenché là-dedans, ça va être le mutisme, ça va être le grand silence. Il y a plein de choses qui se disent dans ma tête. Mais il y a comme un petit goût de. Tu sais, ça passe pas. Puis, de toute façon, c'est pas assez important. De toute façon, c'est pas si grave. De toute façon, on va banaliser. On va se rejeter. On va finalement s'isoler. On va se retirer. On va s'effacer. Il n'y a pas beaucoup de communication dans ce temps-là. T'sais. Puis l'autre, elle ne sait pas vraiment ce qui se passe. Elle peut juste vous observer puis voir. Oh, puis des fois, ça passe complètement inaperçu, tu sais, fait que vous souffrez tout seul dans votre coin. Mais en fait, comment est-ce que vous pourriez rester en relation à ce moment-là? C'est de vous exprimer en disant, ben, j'ai vraiment besoin de me sentir exister, de me sentir importante. Fait que c'est que j'ai peur. T'sais. J'ai peur de ne pas être assez importante pour toi. J'ai peur de pas être aimée par toi. T'sais. Fait que j'aimerais ça, encore là, être sécurisée, mais de ce côté-là. Voyez-vous? Quand on parle avec son cœur, quand on parle avec ses besoins, quand on parle avec ses peurs,
L'autre a une écoute. L'autre a une écoute. Et l'humain est ainsi fait, on est porté à vouloir aider. Mais qu'est-ce que je peux faire pour te rassurer? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes plus aimé? Comment ça se traduirait pour toi? T'sais? On fait un échange de ce côté-là. Mais si on l'exprime pas, on peut pas. L'autre ne peut rien faire. Il n'en a même pas conscience. Il ne sait pas. T'sais, moi, ça me ramène à des situations. Ça me fait rire aujourd'hui parce que il y a des discussions dans le passé. Avec mon conjoint, où je pensais qu'on se parlait beaucoup, 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 beaucoup. Oui, on fait beaucoup de bruit, on parle beaucoup, 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 beaucoup. Mais quand on parle des vraies affaires, quand il se passe une situation où tu es déclenché, puis que là, c'est le temps de se dire, des fois, c'est comme. Fait, dépendamment de la blessure dans laquelle on est déclenché, on a différentes réactions. C'est important d'en prendre conscience, parce que je n'aurai satisfaction que si j'arrive à, justement, arriver à m'exprimer. On continue. Ensuite, on a l'abandon. Bon. Dans l'abandon, quand je me sens abandonnée, je vais être portée à faire du chantage. Je vais être portée à insister beaucoup. Ah, mais donc, là, voyons, tu sais, ben oui, là, puis je vais tout faire pour convaincre l'autre personne parce que, tu sais, puis on sent la personne qui reçoit ça, elle s'envahit. Fait que, tu sais, l'autre devient vraiment là, envahissant. On ne se voit pas aller, par exemple. Mais quand on est déclenché dans l'abandon, ben c'est ce qui se passe. On va insister beaucoup pour avoir gain de cause et l'autre va se sentir. Mais en fait, le vrai besoin caché en arrière de ça, c'est quoi? C'est que j'ai besoin de me sentir aimé. J'ai besoin de me sentir aimé par toi. Comment je peux faire ça pour toi? Ça se dit. Ça se dit, ça. C'est des choses qui se verbalisent. Ensuite, on passe à l'humiliation. Oh my God. L'humiliation. Quand on est déclenché dans l'humiliation, c'est de l'autosabotage. Hein? Puis là, on a tendance à vouloir un peu se venger, culpabiliser l'autre à quelque part. T'sais? Fait que c'est de dire, ah ben on sait bien toi, t'es jamais là. T'es jamais là pour moi. Tu fais jamais ça. T'es tatatan. T'sais? Fait qu'on est dans le reproche et on accuse pour culpabiliser l'autre parce que si l'autre se sent coupable, bien souvent il va céder. Fait qu'on va obtenir gain de cause de cette façon-là. Mais ça fait qu'on prend une position de supérieur et qu'on écrase. Fait qu'on prend cette position parce qu'on est déclenché dans l'humiliation. C'est à peu près ce qu'on va faire subir à l'autre. Mais en fait, c'est quoi le besoin caché en arrière de ça? C'est que j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de te sentir avec moi. J'ai besoin de me sentir complice avec toi. Donc, j'ai besoin de toute cette importance-là, quelque part. T'sais. Puis d'une certaine valorisation, d'une certaine importance, d'une certaine reconnaissance. C'est tout ça qui est là. Il faut exprimer soit les peurs, soit les besoins qui sont cachés en arrière de toi. Puis pour ça, il faut prendre du recul, il faut prendre conscience qu'on est déclenché dedans. Fait que quand on voit les symptômes, là, on pourrait dire ça comme ça, quand on se voit aller, on fait, oh, regarde-moi donc aller, là, je suis là-dedans, là. OK, c'est parce que donc je suis dans l'humiliation. C'est quoi mon besoin? C'est quoi ma peur? Et d'y aller avec l'expression de tout. Juste là, il amène ça d'une façon tellement banale, tellement simple, tellement extraordinaire. Fait que chacune des interventions qu'il fait dans le septième ciel, c'est du vrai bonbon. Puis c'est ça que je trouve merveilleux dans le septième ciel, c'est que vous avez à votre disponibilité des intervenants de qualité comme ça qui vont vous faire grandir, qui vont vous accompagner, qui vont vous aider dans ce processus-là afin de vivre des relations beaucoup plus harmonieuses et intéressantes. Finalement, on a l'injustice. Quand on est déclenché dans l'injustice, on est le genre à, bon, non, je suis capable de faire ça tout seul, j'ai pas besoin de toi. Dégage. Fait qu'on va être porté à rejeter, on va être porté à se débrouiller tout seul, à pas demander de l'aide. Puis, si on est pris sur le fait, on va être tenté de se justifier. On va être beaucoup plus dans, oh non, non, c'est pas moi, ben c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai pas. Mais non, mais tu sais, c'est pas de ma faute. Bon. Fait, du moment qu'on est dans cet espace-là de justification, parce que l'autre est déclenché dans sa blessure et on est déclenché dans notre blessure, et là, voilà, on est parti dans cette boule-là et on l'alimente. Mais en fait, c'est quoi mon besoin quand je suis dans l'injustice? J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de saisir. J'ai besoin de comprendre c'est quoi ta motivation derrière de ça. J'ai besoin de me sentir respectée là-dedans. Donc, j'ai besoin qu'on parle, mais que j'ai besoin de connaître tes intentions. Ça va me sécuriser parce que sinon, je vais me sentir injustement traitée.
Et quand je me sens injustement traitée, automatiquement, là, je vais être portée à me justifier, je vais être portée même à chercher justice, vengeance, justice. On ne se voit pas aller. Ben, c'est carrément ça, là. Est-ce que vous reconnaissez? Moi, je me suis reconnue dans tout ça, là. On passe tout à travers ça d'une façon ou d'une autre. Fait que je vous invite à vous observer. Je vous invite à venir vivre cette expérience-là aussi dans le septième ciel, d'arriver à vous observer, d'arriver à prendre conscience de votre comportement, d'arriver à avoir le pouvoir sur vous et de pouvoir changer cette situation-là. C'est ça qu'on vit dans le septième ciel. Je vous invite à faire ça. J'ai mis le lien en dessous. Il vous reste 3 jours. 3 jours pour vous inscrire. Après ça, c'est trop tard. Et on est reparti pour plusieurs mois. Sur ce, je vous embrasse. Ça fait déjà plus de 10 minutes que je vous laisse aller. Et à demain. Avec Ghislain, demain matin, 10 h. Manquez pas le rendez-vous.